Bonjour à tous, c'est Célia, je suis très heureuse de vous retrouver pour la présentation du tout premier jeu de Wild, Envolée sauvage, qui a été réalisé par Claire Duval pour les textes et Eva Pierrot pour les illustrations. Voilà, donc je vous montre la belle boîte, je suis vraiment très très heureuse. C'est un jeu que vous retrouvez sur la boutique de Wild, donc vous avez le lien juste en dessous en barre d'infos. Vous pouvez y accéder depuis mon site aussi, donc il n'y a pas de souci pour ceux qui connaissent mon site. Bah, du coup, vous verrez dans la partie boutique, vous avez accès directement au site de Wild. Et Eva, Claire et puis un petit peu moi pour la mise en page, la mise en boîte de ce très beau jeu. Voilà, on est vraiment, je pense, très très fiers de pouvoir vous présenter ce petit bébé, ce petit bijou. C'est un jeu qui arrive dans une boîte aimantée, un petit coffret comme ça qui s'ouvre. Vous voyez ici l'oiseau et vous avez derrière un petit texte toujours français-anglais. Voilà, on ne change pas les bonnes habitudes. Que la lumière du divin éclaire votre chemin. Qu'elle soit un soleil qui réchauffe et réconforte dans les moments de doute et d'incertitude. Qu'elle vous rappelle aussi votre propre divinité et vous élève dans l'amour et la paix. Voilà, donc on va retrouver, hop, de la... Ah, vous savez, moi j'aime bien la dorure, hein. Donc j'en ai mis un. Hein. À l'intérieur, vous avez un petit message de Claire ici pour vous expliquer comment utiliser son jeu. Donc vous voyez, c'est un petit coffret voilà, qui va s'ouvrir comme ceci. Hop, hop là. Ferme les yeux, calme ta respiration et écoute ton cœur battre. Demande alors à tes guides de t'envoyer un message à travers les illustrations et les textes de cet oracle. Tire une carte, regarde la peinture et imagine que tu pénètres à l'intérieur. Puis lis le message qui t'est adressé. N'oublie pas de remercier tes guides pour leur aide. Donc ici, on a des messages d'inspiration du divin qui a été réalisé, canalisé par Claire. Alors, je vous remets la boîte ici. Donc, quand on ouvre, on a... Alors, on a normalement... Voilà, un petit... une petite languette... qui s'était échappée, la coquine. Voilà, donc on a une petite languette violette, en fait, qui vous permet de saisir les cartes, comme ceci. Voilà, et le fond de la boîte, je vous le montre d'un petit peu plus près. Donc voilà pour la boîte, je vais vous montrer les cartes maintenant, parce que les cartes ont une particularité, je ne sais pas si vous allez le voir, ou si vous l'avez vu, en fait... Regardez, il y a des parties, pas toutes, qui sont en vernis sélectif, qui permettent en fait, non seulement quand vous allez toucher la carte, mais quand vous allez la voir aussi, d'attirer votre regard, d'attirer vos sens vers les des détails en particulier. Voilà, donc ça je crois que vous ne l'avez sans doute jamais vu dans des cartes et je suis très très fière vraiment d'avoir eu cette idée pour ce magnifique jeu parce que ça met en relief en plus les belles illustrations de Eva. Donc voilà, alors vous avez le texte qui est directement placé au dos des cartes, français-anglais comme d'habitude. Je vais vous montrer le dos parce que du coup ça fait un très très bel éventail. Alors vous avez une carte de présentation de Claire et de Eva. Et vous avez une multitude de couleurs très douces pour vous accompagner dans votre tirage. Voilà, donc d'un côté et de l'autre. Vous voyez ce panel de couleurs que nous a fait Eva, c'est vraiment magnifique. Et j'ai fait de mon mieux en fait pour le reprendre aussi au dos des cartes. Voilà, donc on a des illustrations des cartes pardon, qui sont comme d'habitude hein, sur du carton assez épais et en même temps de bonne qualité qui vous permettent de battre les cartes traditionnellement ou en mode poker, en mode shuffle. Et les cartes vont en fait se remettre... droite d'elle-même, vous voyez, ça n'a pas bougé. Donc on a toujours cette qualité-là de carte. Et vous allez retrouver du coup des illustrations. Alors je vais vous rapprocher les cartes pour que vous puissiez bien les voir parce que vraiment ça vaut le coup. Je vous montre quand vous retournez la carte le message.
Voilà, vous pouvez faire un arrêt sur image pour regarder le message de Claire. Et on a des cartes, voilà, qui sont... Vous allez voir à chaque fois les détails. J'ai complètement craqué en fait pour l'univers d'Eva, cet univers magnifique, plein de couleurs, plein de douceur. Donc je pense d'ailleurs que ce nom porte très très bien son jeu, Envolée sauvage, message d'inspiration du divin. On a vraiment ce côté très connecté au divin. Alors ça va être un jeu qui va pouvoir accompagner tous vos tirages pour avoir soit une carte du jour, donc avoir un message vraiment quotidien ou pour votre journée, soit un message aussi apaisant pour terminer un tirage. Moi, vous savez que j'aime beaucoup utiliser ce genre de jeu comme ça. Quand je fais un tirage, j'aime bien tirer une carte par exemple de Namasté, pourquoi pas, ou d'un jeu qui soit beaucoup plus doux et réconfortant. Je trouve que ça termine à la perfection un tirage. Donc on a cette idée, oh, j'adore celle-ci. Donc on a cette idée vraiment de guidance divine et comment vous connecter à votre propre divinité, à votre part divine aussi en vous. C'est vraiment un jeu qui va pouvoir répondre à cette... qui va pouvoir répondre à cette demande, ce besoin aussi qu'on a de se reconnecter à notre propre divinité. Je crois que vous allez adorer toucher le jeu. Je pense que là, vous allez vraiment vous régaler. Ça va être une expérience sur à plein de niveaux. En même temps visuel, en même temps au niveau du toucher. Voilà, ça c'est l'illustration qu'on a utilisée pour la boîte, qui est sublime. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, je vous remonte par exemple un dos pour avoir... une idée justement des messages. Je trouve que ces illustrations me transportent vraiment. Les textes aussi de Claire sont parfaits, elle les a canalisés en fonction des illustrations. Donc elle a vraiment pris une illustration, elle s'est vraiment laissée inspirer par ce que l'illustration avait à lui dire. Donc là, on n'est pas parti du texte pour faire des illustrations, mais des illustrations pour s'inspirer pour les textes, pour infuser les textes. Celle-ci aussi est sublime. Et celle-là aussi. Voilà, je suis vraiment, vraiment ravie de pouvoir vous présenter ce premier jeu qu'on a créé vraiment toutes les trois avec le cœur. Un jeu coup de cœur. Un jeu coup de cœur, un jeu vraiment inspiré et inspirant. J'espère vraiment qu'il va vous plaire. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez juste en dessous en barre d'infos. Et puis je vous laisse le découvrir aussi sur mon site, sur la boutique de Wild. Et je vous embrasse tous bien bien fort. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye !